Bonsoir, bienvenue. Ce soir on continue No Man's Sky. Alors là on est dans notre cargo. J'ai lancé l'expédition pour la soirée. Il va falloir qu'on se rende dans la colonie. Je suppose qu'on va se faire attaquer. Un moment qu'on n'est pas venu. J'imagine que les sentinelles vont être un peu vénères. Voilà, voilà, elles sont vénères. Alors, le destructeur. Allez, on a fini. Nouvelles opportunités de construction disponibles. Cool. Alors, on a du sel de bromure à récupérer. Alors, total 1,6 million. Veuillons déposer une demande accompagnée de projets pour le développement d'un nouveau générateur d'électricité. Donner un indicateur d'approbation de 89% pour sa construction. Eh ben, oui, hein. Porter de la ferrite pure sur le chantier de construction. La suite. Pas longtemps, mais bon. On va pas attendre 20 minutes à rien faire. Allez, maintenant c'est parti, on va dans l'espace. On récupère des missions. Je... Normalement, il faut que je rachète un signal d'urgence de cargo. On va en faire, ça va être le quatrième je pense qu'on va avoir. On les fasse, ça nous occupera un moment.
pour les sous. Alors, c'est quoi vos missions? Il y a un extracteur planétaire pour des semi-conducteurs. Un quadrupède sentinelle. Prendre une photo d'un holoterminus. C'est nul tout ça. Désolé, c'est nul tout ça. C'est mon quatrième. Ah, et je suis coincé dans le décor. Génial. Incroyable. Merci. Oh. Au niveau des missions, est-ce que j'ai... Non, j'avais tout fait. C'est bon. J'ai rien qui traîne. Ah oui, il faut que j'aille dans l'anomalie. Et hop, un cinquième. Attends, tu veux des données récupérées? Ouais, t'es gourmand là quand même, hein. Pour 10 nanites? Ah là, je me suis fait arnaquer, parce que même si je veux des nanites, j'en veux pas 10, hein, j'en veux 1 million. T'es trompé sur les zéros, t'en as oublié quelques-uns. Alors tu te dis ouais mais c'est que des zéros, c'est pas grave. Non non, je t'assure que ça fait une différence. Bon tant pis hein. Un peu de tout ce qu'ils revendent. J'ai quasiment tout faire sauf un truc pour le sous-marin que j'ai pas appris.
laser du Minotaure non plus. Là, je vais tout faire. Et là, j'ai pas besoin d'apprendre ça. Mais bon. Perceuse d'optique, ressources extraites plus 50%. Non mais je l'ai déjà. Pas le fabriquer, mais je l'ai déjà. Donc c'est bon, j'ai rien dit. Hello, Just Shannon, bienvenue. Comment vas-tu? Là, il reste que les trucs qui me servent à rien. J'achète, oui j'achète là. Là qu'il faut que je regarde surtout au niveau des constructions. Y a pas des trucs qui pourraient m'aider un peu dans l'agencement de ma base. Les envoyés par Churros. Ah bah écoute, bienvenue. Bienvenue à toi. Est-ce qu'il t'a déjà fait la pub sur mon programme? Ou est-ce qu'il faut que je fasse des... Oui, il faut que je refasse un récap. Les explications peut-être. Ils vont en savoir plus. Ça ne sert à rien. J'avais effectivement vu ton follow alors que j'étais pas en live. C'est assez bizarre ça. Et c'est plutôt rare en fait quand même. Ouais, d'un jeu avec les joueurs mercredi pro. Alors, c'est un peu plus que ça. C'est un peu plus que ça en fait. Attends, tiens. Je te montre si je passe. Je passe sur cet onglet là. En fait, voilà. Là, tu as le programme de la semaine prochaine. Donc, notamment mercredi prochain, effectivement, j'ai une session Fortnite qui est prévue avec Churros et d'autres qui sont intéressés. Je suppose que tu es potentiellement intéressé. Voilà. Mais il y a aussi du Sea of Thieves que je fais le lundi. J'inaugure une série sur Sea of Thieves. C'est avec, je joue avec mon frère, mais il y a de la place encore pour d'autres personnes. Sur le bateau si jamais ça intéresse du monde. Je recherche en priorité des gens qui voudraient jouer tous les lundis avec nous, mais tant qu'il y a de la place, je peux prendre des personnes qui veulent jouer juste une fois comme ça aussi, quoi. Voilà. Mardi c'est off parce que je ne suis pas là. Le jeudi c'est du No Man's Sky, mais c'est plutôt du classique parce que j'ai quand même envie de faire du No Man's Sky une fois dans la semaine. C'est un truc que je fais depuis ça fait un mois et demi que j'y joue régulièrement à ce jeu, donc j'ai envie de laisser le jeudi, même s'il y a possibilité quand même de jouer aussi en multi, puisqu'on peut accueillir d'autres joueurs, notamment pour visiter ma base, ou pour faire des petits groupes pour aller visiter d'autres planètes. Il y a une soirée Fall Guys vendredi, où on va pouvoir, en fonction du nombre de personnes, lancer des groupes pour aller chercher des couronnes, ou lancer des parties custom, en fonction s'il y a pas mal de monde. Voilà, ça va dépendre, mais on verra bien, ça va dépendre du truc. Le Anno 1800, ça c'est le... C'est le classique que je fais toutes les semaines, tous les samedis aussi. Je joue à Anno 1800 depuis maintenant un an.
Donc ça reste aussi dans le programme. Il n'y a pas spécialement volonté de faire du multi sur ce jeu-là, même si c'est possible. Là, c'est pas l'idée. Et il y a du Riders Republic le dimanche, où là, je vais enchaîner les mass starts. Il y a des courses en ligne à 60 qui se font toutes les 30 minutes dans le jeu, donc ça, je vais les enchaîner. Si jamais il y a d'autres personnes qui ont le jeu et qui veulent venir, on peut faire des... On pourrait aussi se faire des petites sessions courses, voilà. Donc en fait, c'est tout ça le programme de la semaine prochaine. Churros, particulièrement intéressé par le mercredi, parce qu'effectivement, c'est lui qui va venir me coacher mercredi soir sur Fortnite. J'arrive même pas à dire le nom du jeu, toi, tellement je suis un noob dans le truc, quoi. Bonsoir, Trash Vortex, comment ça va? Donc voilà, ça c'est le programme complet de la semaine prochaine. Et donc effectivement, si ça t'intéresse de jouer avec Churros et moi à Fortnite, bah, je pense que c'est possible. Et puis, si jamais les autres jeux t'intéressent aussi, bah, voilà. En particulier le vendredi, Fall Guys, c'est un jeu qui est gratuit, qui est disponible sur à peu près toutes les plateformes, à part la Game Boy, ça je pense pas encore, mais voilà. Donc j'ai bon espoir d'avoir récupéré un peu de monde qui veuille bien jouer. Bonsoir Piplos, comment vas-tu? Donc voilà. Après, à chacun en fonction des dispos et des envies, bien évidemment. Hein. Moi, c'est le programme que je propose. Et ensuite, on avisera en fonction du nombre de volontaires. Tu penses pouvoir mercredi et vendredi? Bah écoute, avec plaisir. Vu que tu connais Churros, il va se porter garant pour toi, donc je veux que tu acceptes dans le groupe. Après, toi, faudra que tu acceptes de jouer avec quelqu'un qui n'a absolument jamais mis un pied sur Fortnite de toute sa vie. Hein? Voilà, il faut pas s'attendre à ce que ce soit brillant. Hein? Ça va plus être marrant que brillant. Hein? Mais oui, voilà, c'est un programme pour s'amuser, quoi. Donc l'essentiel pour moi, ça va être ça. Hein? D'une part, je vais découvrir un jeu auquel je pensais ne jamais jouer de ma vie. Et après, on va pouvoir s'amuser. Et puis, on va pouvoir s'amuser ensemble. Ça va un peu changer parce qu'en général, je joue tout seul, surtout sur ma chaîne. Là, c'était l'occasion de faire des choses différentes. Voilà. Toi aussi, t'es nul. Eh ben, c'est cool. On va être bien assorti comme ça. Et non classé. Moi, je suis non lancé. C'est-à-dire que pour l'instant, le jeu, je ne l'ai même pas encore lancé pour vérifier s'il fonctionnait. Ce sera fait quand même, hein. Il sera lancé et puis il sera à jour, donc là, ce sera vérifié quand même. J'ai un peu de rigueur et puis je commence à me méfier des jeux qui se lancent pas au dernier moment quand tu veux lancer ton live. Hein. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et voilà, moi j'en suis vraiment à ce niveau-là. Puis je suis particulièrement mauvais en FPS de manière générale. Hein. Les gens pourront en témoigner, dès qu'il faut viser, il n'y a plus personne. Comme en plus dans Fortnite il faut construire en plus de viser, alors là ça va être incroyable. Merci à toi pour ton enthousiasme. Tu as mangé? Bah écoute, bon appétit, à bientôt et bonne game évidemment, parce que ouais, ça va, No Man's Sky c'est bien, on a toujours des trucs à faire, même si on a toujours un peu On aimerait bien avoir un peu plus de quêtes sympathiques, mais bon. Je pense que les vraies quêtes, on les a toutes faites. Donc maintenant, on va se contenter des quêtes génériques qui nous font explorer. Et ça va, on manque pas de trucs à explorer. J'étais en train de regarder du coup ce que je devais acheter pour ma base. Qu'est-ce que j'ai pas encore appris? Processeur de nutriments. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais. Un extracteur de nutriments, capable de traiter et de raffiner un ensemble d'ingrédients en denrées alimentaires. C'est la cuisine, ça! On va l'acheter quand même, faudra qu'on la construise pour la mettre dans notre base. On fasse des gâteaux. Tout ça, c'est de la déco. Il en faudrait aussi de la déco après. Hein. Mais bon, tant qu'on n'a pas fini les murs, c'est pas la peine de s'intéresser trop à la déco.
canalisation. Ça s'utilise comment ça? Ouais, non, c'est juste. Ok, bon, c'est bon. On a récupéré la cuisine. C'était déjà pour ça que je venais, surtout. Chercher les améliorations de vaisseau. Normalement, ça c'est pareil. J'ai déjà tout. Les trucs que je. Même des trucs que je ne sais pas fabriquer, je les ai déjà récupérés ailleurs. Donc, non merci. Allez. Allez, on va sur la station suivante. On va récupérer. Quelques missions, système actuel, donc non pas le système actuel, on fait la suite. Là j'ai 5 signaux d'urgence dans mes sacs, donc ça fait 5 cargos, 5 épaves de cargo à visiter. Corvax, waouh. Génial. Il y a un dépôt planétaire, extension du multi-outil. Bon, je vais prendre, mais pour l'instant je peux pas l'utiliser parce qu'il faut que mon multi-outil passe en classe S pour que ce soit utile. Quadrupède sentinelle, kit de réparation. Non merci, tuer 3 sentinelles pour arc cristal restructuré en stock. Réparer un objet abîmé pour 300 nanites. Ah. Bon, merci. Eh ben, pas fou. Pas fou vos quêtes. Comment ça, coordonnées de la cible que j'ai pris? J'ai fait. Ah oui. Alors, c'est vers où? C'est par là. D'accord, let's go. Alors, on cherche le fameux dépôt. Où est-il? Ah, c'est celui-là. Non, ça, c'est pas un dépôt, ça. Ah, c'est un dépôt. Alors, la bave vivante, on jette. Porte-pieux radioactive en approche. Ah. Bon, allez, on casse tout vite fait.
Mais attends, mais j'ai des sentinelles tuées. Attendez les gars, finalement faut que je vous tue. Bon, trop tard. Et puis faut que je fasse gaffe parce que là on va vite se faire cramer par le poison. Non, j'ai pas ramassé. Vite. Bon, pendant la tempête, pas terrible, on s'en va. Là, on a deux quêtes à rendre. Ah, j'ai l'écran du poison qui est resté coincé. Super. C'est moche. Truc vert sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Rien d'intéressant. Allez, laisse tomber. Hop. On retourne à la colonie parce qu'on a rempli le premier objectif pour le nouveau bâtiment. On va lancer la suite. Vu qu'on se connecte plus très souvent, rien que pour faire un bâtiment, ça prend une semaine. C'est long. Alors, 3 plaquages métalliques, ok.
Alors, on récupère la récompense, on prend les missions. Ok. Ah, mais c'est le gars de tout à l'heure, ça. D'accord, pardon. On va revenir là. Un artefact ancien pour du gel de survie, mais tu te fiches de moi. Oh là là. Non mais c'est quoi les récompenses que tu me donnes là? C'est n'importe quoi. C'est que des trucs nuls. Alors le quadrupède sentinelle éventuellement que je peux garder pour faire des nanites. Mais... Vas-y. Passer notre temps dans les TP là. Terrible. Ok, il me donne rien, c'est mauvais signe. Ça veut dire que je suis déjà passé il n'y a pas longtemps. 12 créatures. Hein? Non mais c'est... Mais... Bon bref, ouais. Arrêtez de commenter ça. Visiblement aujourd'hui je veux filer que des quêtes qui me servent à rien. On va devoir trouver autre chose à faire. Hein. Alors, module de frégate, scanner les créatures. Vas-y, ça c'est bien. Ça c'est bien. Oui, si, module de frégate, ça va, je peux déjà les utiliser. Opérer une personne disparue pour des unités, non. Il y a un extracteur planétaire pour un déplacement d'extension de multi-outils, ça, ça va. Cool. Allez, c'est bon, on a deux missions à faire ici. Et on va scanner un cargo. Alors, c'est pas ça qu'on cherche. Wow, 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 wow. Okay, la navigation va être un peu compliquée. Tempête de feu en approche. Encore, mais non, mais à chaque fois, il va y avoir une tempête. Quoi. Bon, inconnu, mais c'est un comptoir commercial. C'est pas ce que je cherche non plus. C'est cool, mais pas ce que je voulais. Là.
paraît un peu loin quand même de la cible, mais bon. Pas celui-là. Jean Erox, condensat thermique. Erox, Grantine. Eh ben. Eh, c'est bon, ça va, lâchez-moi. Mettre à l'abri le temps de les perdre. Voilà, c'est bon, on a survécu. Alors, mais c'était pas cet endroit-là qu'on cherchait. On en cherchait un autre. Tant qu'il y a la tempête, on cherche dans le vaisseau. La tempête sera finie, on descendra et on utilisera la visière pour se guider. Ça, je vois rien. Une catastrophe, quoi que dalle. Des sacrés industriels dans un bâtiment. Ah mais je pensais que c'était pas un... Question des données amorcées. Mais quoi? J'ai dit... Allez, bon, on va essayer de comprendre ce que l'ordinateur nous dit. Ah non mais là on est en mission donc on peut pas foirer.
Voilà, télécharger données, c'est bon. Toujours la tempête, oh là là. Les scanner. Si, quand même. -92 degrés, ça va. Eh. L'autre chose à faire, c'était quoi? Ok, escalier des créatures. Consulter la carte galactique, genre c'est pas là. Genre c'est même pas dans ce système. Ok. On va devoir changer de système. Bon, avant ça, utiliser un signal d'urgence. Il y a un cargo. Attends, c'est quoi ça? Alors, ça a fait quoi? Dégâts plus 1%? Tu te fiches de moi. Vraiment. Oh, cette arnaque. Ok, super. Allez, on utilise un. Fouiller le cargo. Allez, on avance.
Allez, on a trouvé identifiant. Identifiant, lieutenant, second seg. J'ai déjà eu celui-là. Là, comme ça, ça me dit rien. On a eu 10 fois grue déjà, donc. Les autres, je me souviens pas du coup. Bougez pas quand le nid remue tel nid. Là, il y a un nid. Stabilisation du niveau de température. Chauffage est au plafond. C'est la première fois que je vois ça. Ok, là il y a les nids. Ok, bon bah. Alors déjà là, où est le chauffage? Est-ce qu'il y a un chauffage pas loin? On voit pas. On voit un. Génial, on a récupéré la bave vivante. L'échelle après. T'es censé t'arrêter pour que je puisse continuer d'avancer. T'arrêtes jamais.
Alors, accès au manifeste de l'équipage. Hop. Chaque fois, ça sert à rien. Vas-y, continue. Passe plus vite, hein. Voilà, on a le manifeste. Un chauffage au plafond. C'est bizarre, j'avais jamais vu avant, là, ça en avait deux d'un coup. Chauffage là, y a pas de chauffage. Commencez à me geler sévère. On cherche quelque chose en particulier ou pas spécialement? Non. Et, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'à chaque fois que tu finis le cargo, tu récupères. Je récupère un emplacement de cloison de cargo pour le tien. Là, c'est un truc qui est garanti, c'est cool. Après, le reste, ouais, j'aimerais bien avoir plus de modules de frégate. Je vais trouver des trucs qui rapportent des nanites, mais je sais pas trop ce qui pourrait me rapporter des nanites, vraiment. Vous avez été réveillé, vous, hein? C'est bon? Il n'y en a plus? Salut.
Mallette sécurisée. Ok, super. Perdu, je veux dire. Alors, ADN refusé. Mais c'est bon, on va remplacer le capitaine. Comme d'hab. Alors, on est le lieutenant en second. Pourquoi on a le choix entre les noms? À chaque fois, c'est toujours le même en fonction de la configuration du cargo. Il n'y a toujours qu'un seul, une seule identité qu'on peut récupérer. On a le journal. Les morceaux de terre là par 3 là, tu te fiches un peu de moi quoi. Non mais en plus il fait ça plein de fois hein. Ça vaut rien, ça sert à rien, ça c'est. Oh. Ah, le métal corrompu, c'est bien aussi. Et ça, ça peut se convertir en nanite. Un petit peu. Ah. Incroyable. Les éclats radiants, c'est mieux. Mais bon, les éclats radiants, c'est un peu plus chiant. Hein. Un peu plus long à avoir. Quoi. Encore que. C'est assez long, quand même, l'exploration du cargo, finalement. Alors, juste, tu trouves une planète avec des éclats et tu cours pendant des heures pour aller en récupérer... 1 milliard. C'est vrai que ce serait... peut-être plus intéressant. Tonneau industriel, mais génial, ça, on va pouvoir crafter des tonneaux industriels pour notre base. Et ça c'est de la déco de qualité. Vas-y, mais... je peux pas viser ça. Casier d'équipage. Eh ben. 3 déco dans la dans le même cargo.
Allez, on finit. C'est bon. Donc. Fabriquer la cloison de cargo. Attends, si j'extrais les nanites, il y en a combien? Et combien de nanites? Je vais essayer là, une fois. Je vais voir comment ça donne. Je suis sûr que je vais être déçu que ça va être que dalle. 484. C'est nul là. Bon, on leur fera plus. Allez, on retourne au vaisseau. Tu vas être riche avec ça? Oh bah oui, tu parles. Hein. Pour que mon vaisseau ou mon multi-outil passe classe S, il m'en faut 50 000. 50 484. Bon, c'est... Voilà. C'est un peu moins d'1%, quoi. C'est ce qu'il nous faut. Donc bon. Garder, hop, platine, on met dans le vaisseau, puisque normalement, en général, c'est le vaisseau qui récupère la platine. Tout ça, on revend, les enveloppes, machin, je vais m'en débarrasser. Oh, il y a un paquet de trucs, là. Pendant ça, ça se vend. Fabriquer. Peut servir à fabriquer quelque chose. Ça peut servir à fabriquer un autre objet qui se vend plus cher, mais ça m'intéresse pas, je pense. Ok, allez. Alors, et là, on a trouvé un acheteur pour le matériel. Ah oui, on va quand même aller, rendre ça. Alors, vendre le manifeste. Et vendre le journal du capitaine. Voilà. Voilà, on a fait 500 métaux corrompus. Qui fait, je crois... Je sais plus. Fait 500, ça fait 1000 nanites. Non, en vrai, ça me fait 2000 nanites potentiellement que je peux... Ah non, 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 qu'est-ce que tu me dis là? Hero Shannon. Attends, hop.
Maintenant je pourrais les traiter, mais je les garde en stock pour l'instant. On le fera vraiment si on se décide à faire le changement. Pour l'instant on peut aussi s'en servir pour acheter des autocollants quand même. C'est dommage de ne pas pouvoir acheter nos autocollants. Alors explorateur B. Ah oui, ce qu'il faut que je fasse aussi. Mais Nanit, il va déjà falloir que je m'en serve. En fait, il faut que au cargo j'achète des emplacements pour pouvoir recruter mon escouade. Comme ça, le prochain coup que je croise le vaisseau amiral pirate, là, il faudrait que j'ai plus d'alliés avec moi. Ça pourrait m'aider à le défoncer. Que ça reste un objectif quand même, parce qu'à chaque fois qu'on le croise, qu'on puisse le battre, quoi, et qu'on le laisse pas s'enfuir. L'escadron. Ah, pardon. Je pensais que comme l'autre était à 200, je pensais que celui-là il sera à 500, un truc comme ça. Non, 3005. Non mais t'es sérieux? Ah. Je pense pouvoir le battre maintenant. Non, parce que bah non, il faudra plusieurs essais, parce que même en étant plusieurs, de toute façon, il faudrait que je comprenne vraiment la stratégie à adopter de bout en bout. Parce qu'il faut arriver à gérer à la fois son bouclier, les torpilles qu'il lance, les canons laser. Son bouclier, je l'ai dit ou pas? Donc c'est un peu pas mal de trucs, quoi. Salut le variant variable. Comment vas-tu? C'est beau comme un camion? Qui ça? Lui ou moi? Attention, hein. Ouais, non, 3500 nanites pour le deuxième emplacement, ça fait quand même un peu cher. Ouais, je vais prendre quand même. Il faut. Parce qu'il va falloir quand même que je sois bien accompagné. 7500 la suite. Ouais, non, là par contre. Là, 7500, ça commence à faire vraiment, vraiment beaucoup. Bon, c'est bien d'avoir l'emplacement, mais maintenant il va falloir trouver quelqu'un pour le mettre là. Donc on va regarder activement tous les vaisseaux qu'on croise. Dès qu'on trouve un chasseur classe S, bah on se jette dessus, on paye peu importe le prix. On a 70 millions d'unités, ça sert à ça. Des détecteurs de capsules d'amélioration d'emplacement coûte nettement moins cher. Pour avoir les emplacements pour l'escadron. Attends, tu veux dire que... Attends, on parle de... Je suis trop loin. Attends, on va retourner sur place.
On parle pas de ça. Ça, c'est juste pour l'inventaire. Il l'aurait dit, de toute façon, j'aurais pu l'utiliser. Parce que du coup, attends, parce que... Du coup, je trouve ça où? Détecteur de capsules d'amélioration. Que le gars... Attends, parce que... On va retourner sur la station, du coup, on va voir ce que vend le... Que vend le cartographe. Il y a un truc qui colle. Alors, et du coup, c'est lesquels qu'il faudrait? Me dire lequel c'est qui colle, qui permet d'obtenir des trucs comme ça? Parce que là, tu me dis. Sinon, on achète 10 et puis, puis on teste notre chance, hein. Sur un site de cargo écrasé. D'accord. Encore... Bah, du coup, alors, du coup, faudrait acheter des cartes en espérant tomber sur les sites. Parce que du coup, les signaux de détresse permettent des fois de tomber sur les cargos écrasés. En fait, c'est ça qu'il faudrait que j'achète pour qu'il me montre des sites potentiels de cargo ou d'autres choses, hein, parce que du coup, c'est pas que les cargos, ça va aussi être les capsules, les vaisseaux, tout ça. Et on pourrait tomber sur des cargos de temps en temps. Après, j'ai jamais vu ça sur les cargos, hein, pourtant j'en ai fait quelques-uns. Après, question de chance à chaque fois, toujours, hein. Donc genre là je vais en acheter quelques-uns comme ça. Vu que de toute façon je sais pas trop ce que je dois faire. J'en achète quelques-uns, on lance et puis on voit où ça nous mène. Bien c'est parti hein. Les données de navigation, c'est pas ce qui manque hein. Allez, on va en prendre et puis voilà, hop, on va utiliser. Ouais, j'ai pas tellement de missions. Le but du jeu, alors le but du jeu, en théorie, c'est de juste rejoindre le centre de la galaxie. Qui est pas... Qui est un but vite fait comme ça, hein. C'est pas vraiment comme si tu finissais le jeu en y arrivant et tout. On est sur un jeu où c'est toi qui te fais ta propre histoire. Et effectivement. Effectivement, on est dans. On est dans une galaxie où il y a des millions de systèmes. Des milliards de systèmes dans chaque galaxie. Donc en gros, si on regarde. Si on regarde la carte. Voilà, donc la carte. La carte du jeu, c'est ça. Ça, c'est un tout petit bout. Et tu vois, en gros, en haut à gauche. Ouais, bon, voilà, vite fait, parce qu'il y a ma tête en gros plan. En haut à gauche, il y a la galaxie. On est censé se balader là-dedans. Le curseur, il bouge pas. C'est normal. C'est tellement gros que, de toute façon, on voit pas le curseur bouger quand on se déplace. Et en principe, on est censé rejoindre le centre de la galaxie pour réinitialiser la simulation, puisqu'on est dans une simulation. Ça, on l'a appris en faisant les quêtes. Mais bon, après, c'est pas une fin en soi. Je veux dire, il n'y a pas forcément d'intérêt à rejoindre le centre pour faire ça, puisqu'après,
toute façon, le jeu il recommence derrière, enfin, il continue, c'est même pas qu'il recommence, c'est qu'il continue, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Du coup, l'intérêt, c'est plutôt toi de te faire tes propres parties, d'améliorer, de récupérer des vaisseaux, de les améliorer, de te faire tes bases, de les améliorer, de récupérer des outils, de les améliorer de plus en plus. Le jeu est en ligne, mais c'est si grand qu'il y a peu de chances de croiser quelqu'un. Alors c'est déjà en théorie, oui. Après le jeu quand tu joues tout seul, en fait, de toute façon, même si l'univers du jeu est partagé, de toute façon, si tu ne joues pas en multi, tu vas de toute façon croiser personne à part dans le Nexus, qui est le hub où les gens peuvent se rencontrer pour récupérer des quêtes à faire à plusieurs. Mais par contre, ce que tu peux faire, toi, c'est croiser des planètes qui auraient déjà été visitées par quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu vas visiter, par exemple, alors, est-ce qu'on regarde par exemple, on va par là. Là, quand je cible chaque planète, tu vois, il me dit que cette planète a été découverte par Ground Totems. Et donc, qui est un joueur qui est allé sur cette planète, le premier à être allé sur cette planète dans l'histoire du jeu, bah, c'est Ground Totems, et du coup, bah, il y a son nom qui apparaît sur la planète. Mais il y avait aucune chance que je le croise, quoi, parce que dans ma partie, en fait, je vais pas le croiser. Là, par exemple, voilà, dans cette planète, personne n'a jamais été sur cette planète-là. Du coup, je vais y aller, et comme ça, la planète Ulus, eh ben, ce sera marqué découvert par Mellon. Et si un jour quelqu'un repasse par là, c'est pas très fréquenté, hein, je suis peut-être la deuxième personne à mettre les pieds dans ce système, hein, si ça se trouve, hein. Ou troisième, puisque la planète à côté était aussi découverte par un joueur, mais ça se trouve, je suis le troisième joueur à mettre les pieds dans ce système depuis la sortie du jeu il y a 7 ans, quoi. Là, on va chercher un point de sauvegarde. On va le revendiquer. Et ensuite, du coup, après, pour les prochains, ce sera marqué que c'est moi qui ai découvert cette planète. Hop, alors on va se poser là. Impeccable. J'ai de la chance, j'en trouve un tout de suite. Sur les planètes stériles, tu peux passer du temps avant de trouver un spot, mais bon, ça va. Et du coup, c'est un seul serveur, oui. Et par contre, si t'as des potes avec toi, tu peux les rejoindre facilement pour jouer en groupe. Et notamment, une fois j'avais commencé à construire ma base, et il y a un viewer qui était venu me filer un gros coup de main. Juste en rejoignant la partie, il est venu, il m'a filé plein de trucs. Ah, attendez, hop, je suis en train de mourir. Ça va mieux. Voilà. Et sinon, voilà, l'essence du jeu, c'est que tu te balades de planète en planète, tu fais des missions, tu fais des trucs pour récupérer des sous ou des objets qui vont améliorer ton matériel pour te permettre d'aller toujours plus loin, de survivre plus facilement. Après, c'est un jeu de survie soft, hein. Très compliqué de survivre. Tu peux combattre des sentinelles. Qu'est-ce que c'est que ces créatures cheloues? Là, je fais des scans, ça me rapporte des sous. Après, je peux répertorier mes découvertes pour récupérer une autre monnaie également. Et oui, il y a le Nexus, ouais, qui est une sorte de hub pour le multijoueur. C'est le seul endroit où on peut communiquer avec les autres joueurs. Mais ouais, il faut savoir parler anglais, voire même beaucoup russe. Hein. De ce que j'ai vu dans le chat, ça parlait beaucoup russe. Enfin, ça écrivait en cyrillique. Enfin, je sais pas si c'était vraiment du russe, mais...
bah ça va, il y a des trucs sur... y en a des trucs sur cette planète finalement. Le serveur du jeu est très grand. Ouais, mais il a, en fait, ouais, il est très grand, mais il y a de la gruge un peu. Déjà, le fait est que là, je suis tout seul en fait. Là, c'est une session solo. J'utilise des données serveur, mais c'est juste des informations sur sur les différents systèmes, sur ce qu'il possède et tout ça. Il n'a pas besoin de simuler en permanence la totalité du monde existant. J'ai juste besoin des données, comme ça à chaque fois que j'atterris sur une planète, bah il récupère juste les données de la planète. Donc c'est pas comme si t'étais dans un MMO et que t'avais besoin de simuler la totalité du monde de jeu pour tous les joueurs, quoi. Faut imaginer que c'est plutôt un très gros tableau Excel avec un mode graphique, quoi. Comme dit le variant variable, si t'aimes l'exploration, dans ce jeu, t'es servi. Alors, c'est quoi cette suite? 5, 14, 41, 122, 5 x 3 moins 1, 41, 122, 3 moins 1, ouais, effectivement. Donc c'est un 365. Hop, des nanites. C'est cool parce que bon, il y a deux monnaies à récupérer. Il y a les unités qui sont la monnaie courante. Et franchement, facile à récupérer. T'as les nanites. C'est plutôt ça qui est un peu galère à avoir. Il t'en faut beaucoup. C'est surtout ça que je recherche. Attends, on a découvert signal de recherche, mais il est où le truc? Regardez ce qu'il m'avait découvert du coup. Attends, c'est ça qu'il m'avait cherché. Campement mineur arrivé 12. Un campement mineur? Mais je m'en fiche de ça. Ah non. C'est pas que je veux. Balise de détresse arrivée 9h. Ok, on va aller là-bas du coup. Je suis en calcul, j'avais pas réussi à calculer. Oui, je me débrouille pas trop mal en calcul mental. Je suis pas un champion non plus, mais. Et bon, c'est aussi un peu souvent la même chose, en vrai. C'est un peu toujours les mêmes patterns, c'est pas toujours les mêmes chiffres, mais globalement, c'est un peu... Même si celui-là était un peu plus compliqué que la moyenne. La communauté française du jeu est très présente et ne néglige pas les nouveaux joueurs. En tout cas, moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à présent depuis que je stream le jeu, ça fait un mois et demi, quoi. Ça fait commencé qu'en début février ou peut-être même fin janvier. Je sais plus exactement quel jour j'ai commencé. Ils sont très sympas. Ils sont pas avares en conseils. Me laisse découvrir quand j'ai envie de découvrir aussi, parce que les conseils c'est bien, mais des fois faut pas être trop insistant non plus, quoi. L'exploration c'est intéressant. Attends, peut-être raccourcir un peu le trajet là. Mais bon, on est quand même là pour explorer aussi, donc c'est bien aussi quand je peux découvrir les choses par moi-même. Et les gens font attention à ça, quoi. Donc c'est chouette, ça. Et bonsoir, on est un. Comment vas-tu?
Plus on arrive. Oh non, c'est une capsule de sauvetage. Ah non, oh, c'est un vaisseau. C'est un vaisseau cassé, hein, on va pas. Ça va bien. Ça va bien là, je crois. Hein. Je découvre un nouveau vaisseau. Donc c'est chouette. En général, les vaisseaux, je les récupère juste pour les revendre. Hein. Parce que les réparer, c'est un peu long, c'est un peu chiant. Quoi comme vaisseau? Je sais pas pour l'instant. Là, je le revendique. Comparer. Alors. La classe B. Forcément, il est moins bien que ce que j'ai. Réclamer le vaisseau. Voilà. J'en ai déjà vendu quelques. J'en ai quelques-uns en rab en plus. Il faudrait que j'aille. Il faudrait que je les vende aussi. Faudrait que j'aille faire ça. Non, attends, le corps brisé d'un géant à tentacules j'y à côté dans une position anormale. Le vaisseau s'est écrasé avec une telle violence que pratiquement rien n'est intact. Essayer un multi-outil. Démonter les multi-outils. Non mais de toute façon tu feras pas mieux que mon multi-outil, je suis désolé mais je vais garder mon bâton. Hein. Dard ardent. Quel indice. J'avais déjà l'air 7. Je les ai pas fabriqués mais j'avais déjà l'air 7. J'ai un doute maintenant, mais ça semblait bien. Démonter tout ce qui est possible de récupérer. Ah oui, mais là, je vais pas récupérer grand chose. Hein, pour celui-là. Là, le truc que je peux déplacer, c'est ça, mais je peux pas là, je peux pas le stocker, donc tout le reste, faut commencer par le réparer. Donc en vrai, ça va rester comme ça. Salut Desmo, comment vas-tu? Bah écoute, moi aussi ça va très bien. Bienvenue, ton nom ne me dit rien. Et pourtant, il paraît que ce n'est pas la première fois que tu parles sur mon chat. J'aurais oublié. C'est vrai, excuse-moi. Du coup, bon là le vaisseau je l'ai. Ah oui, attends, mais j'ai 15 000 trucs à utiliser là. Récupérer les cadeaux de l'expédition Omega, mais tu as perdu le contenu de deux coffres. Comment t'as fait pour comment t'as fait pour les perdre? Ça clignote là. Ah oui, parce que ah oui non, je sais. Désépingle ça, c'est bon. J'ai pas envie de construire le canon en dispersion. Ils sont où mes trucs? Hop, calcul un itinéraire, vas-y. Site du crash du cargo localisé, cool, voilà. On voulait un cargo. Impeccable. Hors de la planète. What?
Elle sera dispo quand la prochaine expé? En principe, il y a une expédition à chaque mise à jour. Donc, et en général, tu as des mises à jour tous les 4 mois en gros. Donc, je crois que la prochaine, c'est pas tout de suite en fait. Quand la prochaine sera prête, ils annonceront pour donner une date et qu'on se prépare. Et en général, tu as l'expédition qui arrive en même temps ou quasiment après. Ou ça. Et du coup, c'est pas tout de suite, quoi. Faut compter, en général, il y a 3 ou 4 expéditions dans l'année. Ce qui a fait. Ce qui donne l'occasion de revenir à chaque fois, c'est cool, quoi. En plus d'avoir les mises à jour gratuites, quand même, parce que on vantait tout à l'heure les qualités du jeu, mais en plus, une fois que tu as acheté le jeu une fois, profite de mises à jour régulières gratuitement sans avoir à dépenser un centime de plus. Et ça, il n'y a pas grand monde qui fait ça. Quand en plus le jeu est régulièrement en promotion, bah, je suis sûr que là, il doit être en promotion pour les soldes du printemps. Ça se trouve, pour 20 balles, vous avez un jeu qui dure l'infini. Non, les gens ils disent pas que No Man's Sky c'est nul. Ils disaient au début que No Man's Sky c'était nul. C'est ça la différence. Et ceux qui continuent de le dire, c'est ceux qui n'ont pas testé. Après, t'as le droit de pas aimer, hein, c'est différent. En fait, au début, quand No Man's Sky était sorti, il avait fait la hype, il avait fait parler de lui en disant waouh, ouais, le monde est gigantesque et tout ça. Et effectivement, le monde il est gigantesque comme tu le vois là, comme on en a parlé. Sauf qu'à l'intérieur, t'avais rien à faire. Parce qu'il y avait. Il n'y avait pas de PNJ, il n'y avait pas de mission, il n'y avait quasiment rien, tu étais là, tu étais avec ton vaisseau, tu pouvais aller de planète en planète, tu te posais, tu visitais, et t'avais rien à faire. Et du coup, il y a une petite équipe qui est restée, qui s'est formée pour améliorer le jeu, et qui du coup, porte patch après patch, et qu'ont rajouté les différentes factions, qu'ont rajouté des colonies, qu'ont rajouté des cargos, qu'ont rajouté la... Pour améliorer le système de base, parce qu'il y avait un système de création de base dès le début, mais bon, il était pas fou. Voilà, et maintenant, du coup, le jeu maintenant est très riche. Le jeu ressemble aujourd'hui à ce qu'il aurait dû être au début, quoi. Quand il est sorti en 2016, c'était une catastrophe, quoi. Parce qu'à part offrir un monde gigantesque, ouais, le monde était gigantesque, mais il était vide et les gens s'ennuyaient ferme, quoi. Un gros combat avec un jeu concurrent. Ah, t'es peut-être un petit peu Star Citizen qui vient polluer le débat aussi, c'est possible, ouais. Alors que ça n'a absolument rien à voir. Star Citizen, c'est vraiment un jeu. À part que ça se déroule tous les deux dans l'espace, il n'y a pas grand chose à avoir, parce que dans Star Citizen, tu croises des autres joueurs en permanence. En bien, en mal, voilà, tu les affrontes ou tu coopères, mais plus souvent tu les affrontes en général, on va pas se mentir que les gens préfèrent se taper dessus plutôt que de coopérer. T'as un système économique qui est plus poussé aussi, voilà, mais par contre t'es moins dans l'exploration, parce que l'espace dans Star Citizen, même s'il est quand même grand, il n'est pas aussi vaste et tu es quand même régulièrement amené à croiser d'autres personnes quand même. Mais oui, voilà, mais il y a des gens qui continuent de dire que No Man's Sky c'est nul parce qu'en 2016 ils ont entendu que c'était nul et qu'ils n'ont jamais recreusé la question depuis. Hein, mais vraiment, le jeu depuis il était tellement amélioré, c'est incroyable quoi. Il n'est pas parfait, hein, il a ses défauts, mais. Et les améliorations qu'il a subies sont quand même hallucinantes. C'est-à-dire que les studios sortent des jeux pas finis. Ça arrive. C'est incroyable. Hein, ouais. Et du coup, le variant variable pour ton problème d'expédition, où est-ce qu'en fait... Quand tu finis l'expédition, avant de terminer vraiment l'expédition et de clôturer du coup l'aventure, tu as la possibilité dans le coffre de mettre tout ce que tu veux en,
en ressources ou en technologie pour faire des transferts. Et ensuite, tout ce qui reste dans ton inventaire et que t'as pas mis en coffre, à ce moment-là, il est transformé en... Il est transformé effectivement en unité ou en anite en fonction de ce que c'est. À un taux qui est probablement pas très intéressant. Mais... Et du coup, c'est ce qui a dû t'arriver. Et bonsoir Churros, comment vas-tu? Shannon, il s'est présenté hein, pendant que t'étais pas là. Il m'a expliqué que c'est toi qui lui avais suggéré de venir. Il m'a dit qu'il serait intéressé aussi pour Fortnite et Fall Guys la semaine prochaine. Des nourritures de vaisseaux vivants. Je sais même pas de quoi tu me parles, du coup. Je sais que les vaisseaux vivants existent. Et j'en ai jamais eu. Enfin, jamais eu. Si, je crois que ça a à voir avec les œufs, mais. Peut-être que je pourrais en avoir, mais. Donc là, j'ai pas trop creusé le sujet. Pour l'instant, déjà, j'améliore mon vaisseau là que j'ai. Et après, on cherchera à en avoir un autre. Donc, c'est pour ça que je me suis pas trop inquiété là-dessus encore. Changer No Man's Sky, bah ça change tout le temps, c'est ça qui est bien qu'avec toi, avec tous les biomes, tous les trucs à faire. Alors sur la durée, c'est un peu redondant quand même. C'est vrai que si tu prends sur des instants comme ça. Ah bah c'est sûr que mon perso il ressemble pas à à quoi je ressemblais au début. Hein. Là je me suis fait un guerrier Sith là, t'as vu hein. Avec le bâton et tout en plus. Ah, le mode troisième personne, je le trouve pas très utile, pas très précis surtout quoi. Après c'est surtout moi qui suis pas très précis mais. Non, pour les combats c'est pas fou. Mais bon c'est vrai que c'est plus sympa de voir son perso. C'est pour ça que je le laisse comme ça quoi. C'est pas là, là. Mince. Je crois que c'est pas au bon endroit. Le vaisseau vivant du jeu, c'est avec un œuf, mais en construisant une antenne onirique et en la mettant dans un vaisseau en hyperpropulsion, tu peux en gagner une. Ok. Ah, je te dis, pour l'instant, ça sert à rien que je récupère ça. Je continuerai d'utiliser ma voile solaire. Je la passerai en S. Et après, effectivement, chercher un vaisseau vivant pour voir. Pour voir les différences. J'ai loupé une caisse, je crois. Et où la dernière? Je crois que c'est celle-là que j'ai pas dû prendre. Non, on peut pas détruire une planète. De toute façon, en fait, là, tu peux creuser un peu à la surface, mais très rapidement, t'arrives sur le manteau de la planète qui est une barrière infranchissable. C'est pas... Tu peux pas aller très profond. Pas comme dans Astronir. Astronir, c'est un jeu que je recommande grandement aussi aux gens qui aiment bien l'exploration sans trop se prendre la tête. Là, t'as un seul système à visiter.
Mais où là, par contre, tu peux complètement creuser la planète du début à la fin, quoi. Ça t'amuse de tout péter jusqu'au noyau. Enfin, tu peux pas péter le noyau, mais tu peux aller jusqu'au noyau de différentes planètes. Ça fait partie d'ailleurs des quêtes à faire, de la quête principale. Et si t'as le temps, si tu veux prendre le temps de le faire, tu peux vraiment détruire complètement la planète. On finit la deuxième partie du montage, mais cool! J'ai envie de voir ça. Bon, oui, si t'es très haut niveau, t'es pas prêt, mais je suis sûr que c'est du haut niveau. Attends, faut que je vérifie. J'ai fait les 6 là ou... Non, j'ai pas fait celui qui est au bout là-bas. On a loupé encore un. Un jeu sympa, Starship Simulator. Je connais pas le jeu. Je connais la référence évidemment, l'Enterprise, ça va, je vois à quoi ça ressemble. Mais du coup c'est quoi? C'est juste tu. Ah, tu dois pouvoir voyager un peu quand même avec ton vaisseau, pas juste le gérer. Sinon ce serait dommage, quoi. C'est vrai que je connais pas. Données récupérées, ouais, ok, merci. Pas fou. Ok, bah écoute, ça a l'air intéressant en tout cas. Moi, je regarde du coup. Comment ça se fait que je connais pas? Parce que j'en connais des jeux. Hein. Je joue pas à tout, mais j'en vois quand même passer énormément. Et c'est vrai que là, celui-là, il est passé en dessous du radar chez moi. Détecter site du crash du cargo localisé. Pas localisé le même, hein, attention. Hein. Ok. Oh, c'est stylé. Là. Les nuages avec ça, c'est plutôt sympa. Plutôt joli. Alors, arrivé dans 3 minutes. Non, ça reste trop long. Hein. J'ai récupéré quoi dans mon inventaire? Ok, bah écoute, merci. Merci d'être passé. Merci pour tes conseils. À bientôt. Vu que t'as kiffé, c'est Sea of Thieves. Bah moi, Sea of Thieves, je commence lundi, tu vois. Je l'ai installé, je l'ai lancé le tuto, je commence à regarder, et puis punaise, en fait, ouais, maintenant j'ai envie d'y jouer, quoi. Mais bon, j'ai dit que j'attendais, donc pour l'instant, je vais attendre un peu. Après, ça veut pas dire que je ne jouerai que pendant le lundi en groupe, hein, ça. Je ferai probablement aussi des missions en solo de temps en temps. J'ai vu qu'il y avait un mode Monkey Island. Et ça j'ai envie d'y être, quoi. D'aller visiter l'île de Mêlée. Oh. Peut-être que le mode est nul en lui-même, hein.
mais juste pouvoir retracer les périples de Guybrush, on vit ça. Ouais, j'ai acheté le jeu. J'ai acheté le jeu, je compte pas sur le Game Pass. J'essaye de pas trop compter sur le Game Pass, en plus de manière générale. Et ouais, sur le papier, ça va, c'est pas cher, mais en vrai, quand tu comptes... Un jeu auquel tu reviens souvent, du coup, bah, faut que tu payes le Game Pass tout le temps, et finalement, bah... Au final, c'est pas si intéressant que ça. Autant faire des petits jeux qui se finissent vite. Ouais, tu prends un mois, tu finis le jeu, et au final... Au final, ça coûte moins cher d'avoir pris un mois d'abonnement que d'avoir acheté les trois jeux. Hein. Les trois jeux que t'as fait dans le mois. Et après, pour des jeux comme ça où t'es censé revenir longtemps, le Game Pass, c'est un peu le piège, quoi. Donc là, je l'ai acheté. Il était en promo. En promo à 20€. A priori, pour 20€, c'est une sacrée aubaine. Et oui, j'ai déjà un partenaire de bord, puisque c'est mon frère qui m'a... C'est lui qui m'a proposé, en plus, de jouer avec lui. Il m'a dit, moi, j'ai envie de jouer à Sea of Thieves, mais je me sens pas trop de jouer tout seul. Enfin, je pense que tout seul, ça va être vite chiant. Du coup, ça t'intéresse pas? Je lui ai dit, bah si, moi, carrément, ça m'intéresse. Et c'est pour ça que je fais ça le lundi, du coup. C'est parce que lui, ça l'arrange le lundi. Parce que moi, je peux jouer tout le temps, donc... pas forcément besoin d'imposer le lundi en particulier, mais lui il est plus tranquille le lundi, donc c'est pour ça que je fais ça le lundi soir. Donc pour l'instant on est deux, si jamais il y a d'autres personnes qui veulent venir, les bateaux c'est jusqu'à 4, hein. Donc si j'ai à deux, il y a deux volontaires qui pensent pouvoir jouer régulièrement. La caméra s'arrête, arrête, tu m'embêtes là. Bon, fais ce que tu veux, la caméra, c'est pas grave, vas-y. Ah oui, non, l'offre découverte du Game Pass, oui, ça, on est d'accord, quoi. C'est toujours intéressant. Mais bon, moi, ça fait longtemps que j'y ai plus droit, quoi. Très bien, mais t'es pas assez fiable. Bah écoute, l'idée c'est que si jamais il y a des personnes qui pensent pouvoir venir toutes les semaines, je vais les recruter en priorité. Par contre, tant qu'il y a de la place, même s'il y a de la place pour des gens qui veulent venir sans s'engager, c'est le bienvenu aussi, hein. Voilà. Et si un jour il y a quelqu'un pour te remplacer qui me dit qu'il est là toutes les semaines, bah du coup hop, tu passes par-dessus bord et puis il prend ta place, c'est tout. Hein. Reste à côté des radiations. Le dernier, c'est par là. Mutinerie méritée. Ah bah. À un moment, hein. À un moment, faut savoir ce qu'on veut, hein. Non, alors je peux être plus sympa, je te débarque sur une île avec une bouteille de rhum. Une île déserte, et puis après, tu fais ta vie, quoi. Puis une bouteille de rhum, ça va. Pas méchant.
Viens de connaître ça? J'étais sûr qu'un. Sûr que ça allait t'intéresser, quoi. Limite, tu fais ça exprès, juste pour avoir la bouteille de rhum à la fin, quoi. Alors, hop, un signal, on va lancer le suivant. Signal de détresse détecté. Un signal de cargo là. Quel côté? Par là. Alors, balise de détresse, 34 minutes. Hop. Ah, et puis dans No Man's Sky, si tu veux jouer une vie de pirate, tu peux. Parce que moi, je suis plutôt quelqu'un de sympa. Mais si jamais tu veux agresser tous les vaisseaux que tu trouves pour récupérer les marchandises pour pouvoir les revendre, tu peux aussi, quoi. Encore un vaisseau. Cool. Un truc que je vais pouvoir revendre. Putain, ça fait un paquet de vaisseaux. Il va falloir que je les revende parce que je vais peut-être bientôt atteindre la limite. L'étrange à l'intérieur du vaisseau abandonné, je suis accueilli par une puanteur de chair pourrie. Une bête énorme vêtue de ce qui me semble être un uniforme militaire gît là où elle est morte, à quelques mètres de l'issue de secours. Derrière elle se trouve un râtelier à multi-outils partiellement détruit, sécurisé par un mécanisme de verrouillage extraterrestre émettant des étincelles. La porte du cockpit est entrouverte et j'aperçois de l'équipement opérationnel à l'intérieur. Dans le cockpit, extrait une technologie de vaisseau de sous son corps. Lenteur de putréfaction me force à partir. Générateur à l'indium. Mais j'ai déjà là. Ah ben non, j'avais pas la recette puisque celui-là je l'ai copié dans l'expédition. Je l'ai récupéré comme ça. Je n'avais pas la recette, c'est chose faite. Alors, ce vaisseau. Ah! Il y a un truc qui est pas cassé, on peut récupérer. On va réclamer le vaisseau. Bon, c'est un classe C, hein. C'est une merde. Du coup, on va quand même le vendre. Alors, stocker la technologie. Vas-y, garde. Hop. Est-ce que je peux l'équiper ici? Bah oui, c'est mieux que les boucliers que j'ai là. Donc vas-y, hein. Je l'ai mis où? Installé. Ah, c'est sur sa surcharge. Il faut que je vire.
Ok, celui-là est à 23, celui-là est à 20, celui-là est à 20. Faut que je détruise un des autres. Hop. Ok, donc j'ai gagné un petit peu de bouclier. C'est bien ça pour les combats. Combats spatiaux, ça me rend un peu plus solide. C'est cool. Par contre, là, j'ai un emplacement surchargé que je n'utilise pas. Donc en vrai, il faut que je fasse ça. Ah oui, mais non. Attends, comment je fais pour toucher les 4? Bah, je peux pas. Je peux pas toucher les 4. Attends, attends, attends. Ça améliore quand même les dégâts. 1920 DPS. Et là, on passe à 2594. Gagne quand même 20% si je fais comme ça. Pourquoi c'est cassé, ça? Pourquoi c'est cassé, ce truc? Oh. On va réparer, sauf que j'ai pas de cadmium sur moi. J'ai pas de deutérium non plus. Ok, super. Cadmium, mais aussi du cadmium activé, du coup ça ne marche pas. Ok, bah va falloir réparer. Oh, plus tard. On réparera à la fin. Pour l'instant, on en a pas besoin. Alors, signal de détresse à nouveau. Quel côté? Quel côté? Par là. Un vaisseau. Bon, faut là vraiment falloir que j'aille les vendre parce que bon, on va être plein. Module de rayon d'extraction. Attends, c'est pourquoi ça? Miroir photophonique suprême. Attends, on va poser ça. Capacité du carburant, plus 21%, vitesse d'extraction, plus 17%, dispersion de chaleur, plus 48%, temps de refroidissement, moins 16%.
Ah, c'est pas mal, ça permet de... Ça permet d'extraire les ressources plus vite. Oh, plus vite. Plus vite, vite fait quand même. Hein. Le dihydrogène, il va m'en falloir, je crois, pour faire du, pour faire le deutérium. Alors, SO3, mais c'est le même. Il m'a fait pop le même vaisseau, quoi. Il est classe A celui-là. On va récupérer ça et après on va aller les vendre. Une cage high-tech contenant les corps mutilés d'animaux gît dans la soute, projetée au sol par le choc. Les créatures semblent mortes depuis longtemps, mais leur fourrure bouge de façon bizarre, comme si elle avait une vie propre. Oh. À l'intérieur du cockpit, un pilote à l'apparence guerrière gît sur les commandes, un lance-foudre dans la main. Les banques de données du vaisseau semblent opérationnelles. Alors... Prendre le multi-outil. Non, approcher des créatures plus ou moins mortes. Ou étudier les banques de données. Approcher des créatures, on va voir. Une dizaine de vers gonflés aux dents acérées bondissent du cadavre le plus proche et me sautent dessus, révélant la technologie de vaisseau qu'il dissimulait. Je la récupère avant de fuir le vaisseau en saignant abondamment. Génial, je vais mourir. Et du coup... Et du coup j'ai pas la recette. Ok, super. Juste gagner des verres. Trop bien. C'est vert ça là-dedans. Allez, faut vendre les vaisseaux. Allez, on retourne sur la station spatiale. On essaye de... switcher les vaisseaux pour pouvoir les revendre, récupérer pas mal de trucs. On va nous rapporter quelques dizaines de millions. Ce qui est intéressant, c'est surtout les... dizaines de millions, ça va, c'est cool, mais... Ce qu'il me faut surtout, c'est les technologies qui vont avec. On peut échanger contre des nanites. C'est surtout cette monnaie-là qui m'intéresse. Alors, appelé sauveur ardent de Ibetsum. Voilà. Mais je peux pas les appeler directement les vaisseaux. À chaque fois, je suis obligé d'aller les chercher dans le cargo.
l'autre côté le TP. En cours, scanner les créatures. Ah oui, c'est vrai, c'est ça qu'on était censé faire. Mais bah du coup ça va attendre un petit peu. L'occasion de voir revoir tous mes beaux vaisseaux. Alors celui-là c'est un vaisseau sentinelle. En vrai je l'utilise pas, mais comme c'est le seul que j'ai, comme j'en ai pas un meilleur, celui-là je vais le garder. Ça, le vaisseau 3 gauchy, le 1 ou le 2, du coup j'en ai deux. Voilà, celui-là on va le revendre. On va sur la station, on va aller sur le disque qui permet d'améliorer les vaisseaux ou de les revendre. On va voir combien ça rapporte. Alors c'est en face. Alors bon, celui-là vaut pas grand chose. Il est pas fou. Réclamer la pièce pour 1 380 000. Voilà, donc là ils m'ont filé les trucs à revendre. Je vais en profiter pour nettoyer de toute façon mon inventaire. Alors, cryopompe, 1 500 000, hop, c'est bon, ça m'a refilé. La terre, ça dégage. Condensat thermique, on vend. Le reste, c'est cool, on garde. Quoique les cristaux tempête, j'en ai plein déjà. Ouais, alors je peux les garder, c'est pas grave. Bobine de nanocable, hop. Elle m'a rapporté plus que le 1 380 000. Hein. Garde, ça on vend. Garde, on garde. De réparation. Et beaucoup trop. Boyau de fusion. Allez, ça vire. Bon, déjà là, j'ai fait 3 millions. Mais je crois pas... Attends, je crois pas. Si, parce que je les aurais pas vus de toute façon. J'ai récupéré... Ah oui, j'ai récupéré quand même des... Waouh, super. Que du C.
Après, c'est un vaisseau nul, donc c'est normal que ça me rapporte pas grand-chose, mais bon. Donc là, je vais lui vendre toutes mes améliorations. Il m'intéresse pas. Entre quelques nanites, quelques-uns. Hein. Et ça, fragment d'exocombinaison sentinelle, non ça m'intéresse pas. Voilà, ça 450, ça c'est cool par contre. Et du coup, putain, il m'a remis le... Il m'a remis ce vaisseau qui sert à rien. Alors c'est un combattant, mais c'est un combattant de classe C. Pour mon escouade, c'est pas génial. Et classe B, ok, bon, c'est terrible. Classe B. Allez, on retourne sur la... sur le cargo. On s'occupe du vaisseau suivant. Celui-là, allez. Elle du Ugino. On s'en débarrasse aussi. J'en ai marre de pas voir le TP en fait. Attends, hop, X, bouge ça. Se trouve à l'intérieur. Non mais bouge le... Possible de supprimer. Mais je veux pas le supprimer de toute façon, je vais le déplacer. Direct, même plus classe. Tant pis pour la symétrie des lieux, j'essaierai de ne pas trop y penser. Alors celui-là vaut un peu plus, 2 575 000. De nanocâble, hop. Il me reste combien de vaisseaux après? Je crois que j'en ai encore deux à vendre. Et ensuite, j'en garde quatre. Ce que je garde, bah, je garde ma voile. Je garde celui de départ parce que nostalgique, quoi. Il sert à rien, mais bon, voilà. On va s'en débarrasser, quoi. C'est celui avec lequel on a démarré.
Je garde le surfeur stellaire qui était là, le vaisseau de récompense de l'expédition. Et je garde le vaisseau sentinelle qu'on a récupéré difficilement en faisant la quête. Juste récupérer ça en... Attends, je l'ai pas vendu. Pas vendu, j'ai changé d'un. J'ai changé d'onglet. Bon, c'était pas terrible. Alors, classé, on s'en fiche, classé, pas terrible. Classe A, explorateur classe A. Bon non. Combattant classe B. Donc celui-là on le garde. Là on le garde pas. Bon c'est un peu long hein, tout ça forcément. Ouais, je dis tout à l'heure, j'ai fait les soldes Steam. J'ai pas acheté que Sea of Thieves. J'ai acheté d'autres petits jeux. Alors, je dis pas lesquels, on sera surprise au fur et à mesure qu'ils vont arriver dans le programme. J'ai trouvé des jeux qui m'intéressaient, qui sont vraiment pas chers. Permettront de remplir. Par contre, j'ai pas pris de gros jeux. Alors, réclamer la pièce, 2 millions 6. Pour l'instant, les gros jeux, je sais pas trop. Je sais pas trop à quoi je vais jouer ensuite. Ça va dépendre parce que là, cette semaine, il y a Horizon qui sort. Enfin, Horizon Forbidden West. Il y a Dragon's Dogma 2 aussi qui sortent. Ils sont potentiellement des jeux qui vont beaucoup m'intéresser. Mais bon, faut attendre qu'ils sortent, voir si, comment ils sont optimisés sur PC, et puis... Donc je laisse voir venir. De toute façon, la semaine prochaine, il n'y a pas la place. The Last of Us, il faut le finir aussi quand même avant. J'avais dit qu'on... Peut-être qu'on a bientôt fini le jeu de base, c'est vrai. Mais il y a les DLC aussi quand même. Dans The Last of Us, il y a le DLC Left Behind qu'il faudra faire aussi. Donc dans tous les cas, j'aurais pas fini cette semaine, quoi qu'il arrive. J'ai pas vu le truc cher là. J'ai loupé ou j'ai vendu, j'ai pas fait gaffe au prix mais...
petits jeux dans la durée. Oui, quand je dis des petits jeux, c'est vraiment des petits jeux dans la durée. C'est-à-dire, c'est des trucs qui vont se faire en. Alors il y a 1, 2, 3, 4 lives, voilà, pas des trucs qui vont revenir sur un mois complet, quoi. Et du coup, parce que ça m'embête de, même si les jeux sont bien, payer 20 € pour un jeu qui dure que quelques heures, quand même un peu dommage. Bah, surtout que moi je joue beaucoup, donc c'est vrai que si j'achète à chaque fois 20 balles un jeu qui se finit en 5 heures, vite revenir cher quand même. Est-ce que autant payer 60 € un jeu qui te propose 100 heures de contenu, bon, ça reste 60 €, hein, ça fait toujours mal au portefeuille, mais au moins c'est sur la durée, c'est rentable, parce que le temps que tu te finisses, t'achètes pas autre chose, donc au final ça va, quoi. C'est vrai qu'ils t'achètent plein de jeux qui sont super sympas à découvrir, hein, des trucs avec des concepts fous, hein, et tout. Hein. Mais c'est vrai que quand c'est pour que ça dure pas très longtemps, des fois t'as l'impression, hein, un jeu, quand tu compares, des fois t'as des jeux, c'est aussi cher qu'une place de ciné, quoi. Quand tu compares à la durée pour le finir. Et moi ça m'embête un peu, quoi. Mais il y a les soldes, heureusement, qui permettent de pas s'embêter avec ça. J'ai pas déjà vendu, lui. Et j'ai acheté le DLC d'Outer Wilds. Un jour, vous y aurez droit à ma revisite d'Outer Wilds. Meilleur jeu de l'univers. Objectivement, le meilleur jeu de l'univers. Okay, donc ça, c'est le dernier à vendre. Ils m'auront tous pas rapporté grand chose, hein. Au final, on aura fait un petit 10 millions. Genre le gars, ouais, j'ai fait 10 millions, franchement, c'est pas terrible. Le gars blasé, quoi. Les gens, quand ils démarrent le jeu, ils aimeraient bien avoir 10 millions comme ça facilement. Je me souviens, les premières parties, hein. 10 millions, ça nous semblait surmontable. Vendre. Ah, une augmentation de stockage. Cool. C'est bon, bah celle-là, on la garde. Des accélérateurs quantiques dans mon vaisseau.
Ah non, il n'y a rien. Alors, bon, par contre, ça fait chier qu'à chaque fois, ce soit celui-là qui réapparaisse. Pas celui-là que je vais utiliser, bon sang. Bon, donc il va falloir qu'on switch. Et après, on va aller scanner nos animaux, parce que bon, on a une mission en cours, on va la terminer. Uncharted déjà joué? Non, j'ai jamais joué. Il y a là. Alors les trois premiers Uncharted, ils sont pas sur PC, donc je ne peux pas y jouer de toute façon. Par contre le 4, il a eu le droit à sa sortie PC. Avec le remaster de la version PS Vita. Oui, non, c'était pas la PSP, c'était la PS Vita. Il y a que à cela que je pourrais jouer, mais ça m'intéresse. Tu notes. T'as pas le droit de dépenser tes points tant que j'ai pas fini le jeu en cours. Après, t'as le droit. En vrai, t'as le droit, j'ai pas mis de limite, mais. Je préférais que ce soit. Une règle tacite que j'instaure pour le truc, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui propose un jeu, je fais le jeu, et on attend au minimum quand même que le jeu soit fait pour que la personne ait le droit d'en proposer un autre, ça laisse le temps à d'autres personnes de le faire avant, quoi, pour varier, même si bon, pour l'instant ça n'a pas trop l'air d'intéresser les autres. Pas pour dépenser, d'accord. Je verrais bien sur ACC. Quoi le deuxième C? Ok, la quête elle est pas ici. Pas du Assassin's. Qu'est-ce que ça peut être? Réfléchis. En attendant, on arrive sur un nouveau système. Système Vélopette. Planète morte. Bah, ça commence bien. La pauvre. Ok, c'est cette planète là qui va nous intéresser. Planète toxique. Hein. Génial. Empoisonné.
planète acre. Aussi une planète toxique du coup. Alors on va d'abord sur la station et ensuite on ira scanner les créatures. On est de ce côté. C'est mon style de jeu en plus. D'accord, donc en fait faut que je cherche dans les trucs qui me plaisent pas quoi. J'étais en train de faire la liste inverse, tu vois. J'étais en train de regarder parmi tous les trucs qui pourraient m'intéresser. Du coup faut que je cherche dans tout le reste. Les Ratchet c'est sur console sauf le dernier. Rift Apart il a une version PC. Mais les autres, il me semble que c'est que sur PlayStation. Même leur version remastered, il me semble pas qu'il y ait une version PC. Il est dans ma liste de souhaits le dernier. Avec tous les autres quoi. J'ai un paquet de jeux dans la liste de souhaits. Je dois en avoir 800 je crois. Ah bah ouais, en plus j'étais sur... Quasiment tous les jours je vais sur Steam pour regarder un peu les nouveautés et tout ça. Hein. Donc dès que je vois un truc qui est un peu sympa, bim, hop, je le marque. Puis après j'y reviens jamais, je l'achète jamais, mais bon, empêche qu'il remplit la liste, quoi. Rapporter un objet, repérer une personne disparue. Ouais, faut les prendre ces quêtes, hein. Allez, on va faire des nanites, hein. Reste pas la peine. D'en avoir deux en liste de souhaits. Là, moi, je marque tout. Quoi. Mais après, des fois, là pour les soldes, du coup, j'ai quand même regardé un peu plus en profondeur hein, un peu tous les jeux qu'il y avait et tout ça. Et puis je vois des trucs dans ma liste et tout ça. Je regarde le jeu, je dis, ah ouais, j'ai mis ça moi. Quand j'ai pensé à l'époque, ouais, ok, le jeu il est intéressant, mais jamais tu vas l'acheter en fait. Un truc comme ça, tu l'achètes jamais quoi. C'est-à-dire, si un jour on te le file gratos, tu prends, mais non, quand tu vas vouloir acheter un jeu, tu vas prendre forcément autre chose que ce jeu-là, donc ça sert à rien qu'il soit dans la liste. Donc j'en ai quand même nettoyé quelques-uns. J'en ai re-rajouté quelques-uns parce qu'il y a des trucs qui étaient intéressants que j'avais zappé aussi quoi. Bon, bref. Du coup, ouais, j'ai quand même un paquet de jeux dans la liste. C, t'es classe quoi toi? Classe A, toi, transporteur de toute façon. Transmission codée. Ah oui, c'est le gars qu'on est censé rechercher. C'est la piste du mystérieux messager. Après, il y a plus de chances que toi, tu finisses par acheter les deux jeux que tu suis, que moi d'acheter les 800. Hein. Parce que c'est plutôt toi qui as raison hein, de faire comme ça. Alors, scanner les créatures uniques.
Bah c'est un peu loin. Alors, faut se poser, scanner les animaux qu'on trouve. C'est un endroit où je peux me poser qui soit sympa. Inconnu, on va se poser là. Ah super, c'est un dépôt. Ok, bah écoute, on va voir. Peut-être des trucs intéressants à ramasser. Alors, du lémium, du bronze sale. Rebronçal, de la soufrine, du sel d'azote. Tension climat extrême. Alors, on est là pour scanner les animaux surtout. On n'oublie pas. Ok, on a atterri sur la planète avec l'atmosphère la plus toxique depuis le début. C'est un bon signe. Bon, il faut que je ressorte. Super, ça va être très pratique. Mais non, bien sûr, c'est rien du tout. Alors, les oiseaux, hop. Je scanne. 7 créatures différentes. On en est à 2. Ouais, super. Où sont les points rouges? Ah, c'est bon. Déjà fait des jeux pixelisés? Bah oui, oui. Bien sûr. Pas que des jeux en 3D. Hein. Mais c'est pas. C'est pas ce que je préfère. Le pixel art, je suis pas fan. Après quand le jeu est intéressant, j'y joue. Mais c'est pas pour la. C'est pas pour les graphismes du coup. Il y en a qui adorent ça. Il y en a qui adorent le style rétro. Moi je trouve ça, ouais, des fois c'est. Des fois c'est stylé, mais c'est pas ce que je préfère. Moi je préfère toi le. Je préfère avoir le même jeu en bonne 3D qu'en pixel art, tu vas choisir.
Ok, la mission est finie. Ensuite, alors, livrer les marchandises. C'est quoi les marchandises d'ailleurs? Livrer injecteur à stabilité. Le client a fourni les coordonnées précises d'un système proche. Comment ça, un système proche? Tu vas pas me faire changer de système juste pour livrer un truc, quoi. Sérieux le jeu? Mais ça va, t'as pas l'impression d'abuser? Alors, rencontrer l'informateur extraterrestre, ça devrait savoir retrouver la personne disparue. Allez, c'est parti. Oh, 1 minute 15. Boah. Retrouver dans le même style que Dishonored, tu veux dire le style graphique, parce que je crois que t'avais pas trop aimé toi le jeu. Et pas trop aimé le gameplay, il me semble. Si t'avais tout bien aimé. Ah bah je confonds alors. Bon. C'est bien, t'es quelqu'un de goût. Moi j'avais. Moi aussi, moi j'ai adoré là. Premier Dishonored, j'ai adoré. Le 2, j'ai... Le 2, j'ai bien aimé aussi. J'avais trouvé... Ah oui, t'avais trouvé le 2 trop court. Non, moi, ça allait, quoi. Ça allait. C'est Death of the Outsiders, j'étais déçu, parce qu'il n'y avait pas tellement de nouveautés. Bon, c'était un peu l'épisode de trop, mais... Mais ouais, ouais, c'est vrai que des jeux comme ça... Il n'y en a pas beaucoup. T'as joué au Deus Ex du coup? Parce que ça s'aspire un peu quoi. En fait Dishonored inspire des premiers Deus Ex. Et des... attends, comment il s'appelle? C'est System Shock. Et en fait, ce sont des jeux où t'arrives à... Où t'as tous ces types de gameplay, où si tu veux te battre, tu peux te battre, mais en fait, si tu veux jouer à, si tu veux jouer à infiltration, tu peux aussi, et les... Et tous les... Toutes les maps sont faites pour être... explorées de différentes manières en fonction de ce que tu préfères. Comme dans Dishonored. Et derrière ça, les Deus Ex ont été renouvelés aussi, quoi. Deus Ex était gratuit sur Epic, je l'ai pris. Ouais, ouais, c'était Mankind Divided qui était gratos là. Mais en fait, le celui d'avant est mieux. Celui d'avant est mieux. Human Revolution. Celui-là, il était vraiment cool. Mankind Divided, il y a. Ouais. Quelques trucs qui vont pas quoi. Mais pareil voilà, mais là c'est complètement le même genre que Dishonored, en tout cas sur le gameplay. Graphiquement c'est un peu différent, c'est un peu plus science-fiction, donc le traitement est pas le même. Par contre tu pourras pas te plaindre qu'il soit... Il faut du radon, sérieux. On aura pas de plainte qu'il est court celui-là. Il y a de quoi faire. Oh, du radon. Je peux aller en chercher dans ma base. Dommage quand même de faire un aller-retour juste pour ça.
module de protection contre la toxicité. Ah, attends, j'en ai déjà deux. Ok, super. Ça m'intéresse pas. Allez. On revendra, ça va faire des nanites, ça, ça m'intéresse. Alors, est-ce que par hasard, il n'y a pas des plantes qui donneraient un peu de radon ? Cobalt et dihydrogène, oui, donc ça c'est pas terrible. Ah si, le cobalt c'est bien, mais c'est ce que je recherche. Après, le radon c'est tellement rare dans les plantes. Vraiment un gros coup de bol si il m'en filait. Hein. Et en plus c'est du gaz, donc on peut pas creuser, on peut pas trouver un dépôt pour récupérer du radon. Quoi. C'est Deus Ex Human Revolution, il s'appelle. Protection toxicité défaillante. Il n'y a rien avec du radon, va falloir aller en rechercher. Attends, peut-être qu'ils en vendent là. Ce serait parfait, hein. Franchement, si jamais vous y pensiez là. Vendez du radon, non. Vous aurez acheté super cher en plus. Oh là là, vous avez loupé une opportunité. Aller chercher ça vite fait, enfin, vite fait en aller-retour, quoi. C'est certainement pas vite fait. Il a 11 ans. Ah ouais, c'est possible, hein. Possible, ouais, effectivement, ça doit dater un peu quand même. Et je suis surpris maintenant quand je vois les âges qu'ont certains jeux. Les trucs, ils disent ouais, c'est sorti ça, ça a 15 ans. Ah, ok. Dragon Age, 15 ans. Ah ouais, mince. Il y a 3 euros sur Steam. Écoute, il y a une centaine d'heures de jeu dessus. Donc ça fait 3 centimes l'heure de jeu. Franchement, ça va.
vérifier qu'ils vendent pas du radon. Bon, allez, on va le chercher. On retourne sur le cargo. Ok, j'ai des vins. Allez, et on refait le chemin inverse maintenant. Ah, c'est sûr, sur Human Revolution, j'avais fait comme sur Dishonored, j'avais fait une run pacifiste. Et tout, hein. Et tout le jeu. Sans tuer personne. Tout en fufu, exactement. Ah, je trouve que c'est là, je trouve que c'est le gameplay le plus intéressant. Alors, c'est largement le plus long, c'est sûr que ça prend du temps pour finir du coup quand tu joues comme ça, mais je trouve que c'est quand même le plus intéressant, parce que même si les combats sont stylés et qu'il y a quand même des sacrées techniques pour rendre les combats intéressants, mais c'est vraiment le jeu est vraiment fort et où il est vraiment où il sort vraiment du lot, c'est quand là c'est pour la et pour l'infiltration, parce que là il n'y a pas énormément de concurrence du coup. Des FPS où tu combats, il y en a plein, il y en a des biens, il y en a plein. Et des jeux d'infiltration comme ça, il y en a quand même beaucoup moins. Quand tu joues à un Assassin's Creed et que tu le fais en infiltration, bah ça a quand même rien à voir quoi. C'est quand même... L'infiltration dans les assassins, c'est... Ça reste quand même assez basique. Alors que là, en plus, c'est vraiment stylé. Et puis les cartes sont faites pour que t'aies plein de choses différentes à faire. Donc faut en profiter quoi. Alors, localisation potentielle détectée. Non, pas potentielle. On détecte pour de vrai. Atteignez la position. Il est où? Il est par là, arrivé 3 heures. Bon. Ok, 4 minutes 36, ça reste trop long. On fait un petit bond, hop. Un petit saut de grenouille. Commercial,
Le gars en dessous, ah, il doit être posé en dessous. Attends, je vais me poser au comptoir quand même. Après on ira le voir. Ah non, il est là. Il était même pas au laboratoire à côté. Copain, cherchez pour moi. Je suis prêt pour... Il est prêt pour... Non, c'est pas plus sur les affaires. Je m'en fiche. Transmettre. Il est prêt. Le client décide ce qu'il veut en faire. Alors, j'ai des reliques à GAC. Je vais vous les filer, du coup. Offrir un présent. Ça me fait plaisir, ça vide mon sac. Acheter, acheter, non, non, non. Ou peut-être acheter. Qu'est-ce qu'il raconte? Un nouveau ami, un voyageur ami. Je suis ici pour faire un nouveau copain. Je prends quasiment la phrase complète. Enfin, la phrase. Entre guillemets, hein, parce que je sais pas si on peut appeler ça une phrase quand même. Je, Kirs, choisir le corriger bonjour. Choisir le corriger bonjour. Choose the right. Ah, ok. En plus, en fait, il faut le penser en anglais pour savoir à peu près ce qu'il voulait dire au départ. Me tend fièrement la main, certain d'avoir su identifier le geste de salutation socialement approprié à mon effet. Lui serrer la main. C'est une poignée de main parfaitement exécutée, malgré son manque de pratique. Bravo à toi. Alors, puis il me désigne en souriant avec timidité. Je fais désormais partie de ses nombreux amis, et il aimerait connaître la taille de mon propre cercle d'amis. J'ai combien d'amis? Bah, un cercle d'amis impressionnant, on est d'accord, hein? Ouais. Il me couvre instinctivement d'unité pour tenter de m'impressionner. Alors en vrai, si tu voulais m'impressionner, c'est des nanites que t'aurais dû balancer, hein. Mais bon. Prochaine fois peut-être, hein. Attends, ce bâtiment là, comment je l'ai pas vu tout à l'heure quand je suis arrivé? Franchement, la taille qu'il fait. Sérieusement. Est-ce que j'ai besoin d'y aller? Non, même pas. Il y a des trucs à récupérer, essayer de rendre des artefacts et tout ça, j'ai toujours pas compris ce que c'était aussi. Donc ça c'est bon, c'est fait. Il faut que j'aille dans un système proche, quoi. Mais c'est vraiment... Comment ça se fait que ça, il faille aller, aller dans un autre système? Mais n'importe quoi. Ah, faudra passer à la colonie avant d'arrêter. D'ailleurs, je vais pas arrêter trop tard ce soir. On va finir ce lot d'objectifs et puis ça suffira. Encore un peu enrhumé depuis hier. Je suis un peu fatigué là. Ah.
Alors, dans l'espace, consultez la carte galactique. Ensuite, on retourne, on va sur le système de Retenuci 19. Je le dis. Direct dans les champs d'astéroïdes. Intérêt à être concentré hein, quand tu débarques là-dedans. Ça, c'est une planète abandonnée. Vous avez découvert ceci? Je suis déjà venu ici? Je me suis fait arnaquer. Une distorsion pour rien. Ah, punaise, non. Non, non. Oh. Je sais pas que cet itinéraire commercial nous appartient. Belle amende ou subissant les conséquences. Lol. Si j'allais payer. Prévenir les autorités. Oh ouais, vas-y, ça va aller plus vite comme ça. C'est bon, j'ai 5 bulletins là. Sérieux, c'est quoi ce vaisseau là? Ah bah merci de m'avoir attaqué surtout, hein. Bravo les gars. Comment ça, il en reste encore un? Intercepteur sentinelle restant. Mais pourquoi les sentinelles? Peut-être que j'ai pas pété les bons... C'est bon. Moi j'avais peur que les sentinelles veuillent me faire la peau. Bon du coup c'est un système que j'ai déjà visité. Ça sert à rien que je repasse par là. Par la station, dans ce cas. Livrer la marchandise. Bon, je sais pas pourquoi il m'a fait venir ici quoi. Il n'y a pas besoin de changer de système juste pour livrer la marchandise. Compagnon est prêt à pondre un œuf. Hein? Vous pouvez utiliser le séquenceur d'œufs de l'anomalie spatiale pour modifier génétiquement l'œuf. Des expériences avec le séquenceur pour élever de nouvelles créatures uniques. Ouais. Alors attends, déjà on va appeler le compagnon peut-être. Récupérer son œuf. Déjà de quel compagnon on parle? Est-ce qu'on parle de l'hippoléphant là? De l'autre jour. Alors.
J'ai un truc pour toi. J'ai égaré le paquet du client. Merde. Ah mince. Bah oui, mais non, mais pourquoi je l'ai vendu? Je le remplace par un objet identique. Je devrais pouvoir effectuer la livraison sans qu'il se rende compte de mon erreur. Mais en plus, j'ai fait ça pour rien. Faut que je remplace par un objet identique. Ouais, mais c'est toujours des objets qu'on peut pas fabriquer. Parce que si c'est des trucs qu'on pouvait fabriquer, je le fabriquerais. Mais non, c'est pas le cas. Oh là là. En plus, j'ai fait ça pour rien. C'est ma faute, hein. Je vais m'en prendre qu'à moi-même. Mais ça casse les pieds quand même. Explorateur classe A. Ah non, j'ai scanné ici déjà tout ça. Alors, compagnon. Faut-il d'appeler les compagnons ici? Oh, tu vas m'obliger à descendre? Vraiment. Alors, il se sent guilleret. Cool. Alors, caresser gentiment. Vas-y. Donner une friandise, même si là-bas il a pas très faim encore. Déclencher la ponte. Ok. Voilà, ça c'est un œuf d'hippoléphant. Œuf de compagnon. Un œuf vivant, fertile, prêt à éclore dans 24 heures. Mettez dans le séquenceur d'œufs de l'anomalie pour reséquencer le matériel génétique. L'escanographie indique que l'embryon a le potentiel génétique pour devenir très grand et travailleur. Absolument. Très grand, ça m'étonne pas. Travailleur, bon. Il se sent vorace. Et il a pondu, il a faim. Attends, 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 attends. Donnez une friandise. Personnaliser l'apparence. Oh, attends, attends, on peut faire des personnalisations. Vas-y, on peut changer sa caisse. Bah oui, hein, bien sûr, hein, mitrailleuse, hein, normal. Hein. Hop, on va faire un petit hors-tank, hein, du coup. Le injecteur d'instabilité. Non mais c'est bon, cette mission on l'abandonne. Abandonner la mission. Au revoir. Et puis, estime diminuée Geek. Bah ouais, ouais, pas grave, je vais leur filer des statues et puis ça ira mieux. On va aller sur l'anomalie, hein. On va donner l'œuf, voir ce qu'on peut en faire. Bonjour, j'ai besoin de récupérer de la réputation. Ah mais j'ai plus de reliques. Bon bah tant pis, hein. On va prendre des mots. Jamais. Bonjour ami, aidez-moi. Nouveau, résurrection. J'ai pas trop tout à fait compris la question, mais c'est pas grave. Le mot odeur souvenir. Ah oui, c'est vrai que les geeks communiquent aussi avec les odeurs. Ami, acheter, ne pas acheter. Tous volonté, être quoi volonté être. Voilà, donc ça c'est une phrase qu'on comprend. Complètement. Le marchand semble sous l'influence d'une substance exotique. Il cligne lentement des yeux, prêt à marchander. Il a appris le mot client. Eh ben. Allez, allons sur l'anomalie, on va donner notre œuf. C'est du C, c'est du B.
faire quoi avec mon œuf? Bah justement, on va voir, hein. J'en sais rien. Hein. On va voir ce que le jeu m'autorise à faire. Hein. C'est quelque chose que j'ai encore jamais fait. Je sais qu'on peut avoir les vaisseaux avec des œufs, mais en vrai, je sais pas comment ça marche. Donc là, j'ai un œuf. On va voir. Et puis on va voir ce qu'il nous fait. On va voir ce qu'il nous propose. Cancer d'œuf. Alors, saisie génétique, œuf de compagnon. Alors, hormone de croissance. C'est juste pour améliorer la bestiole, quoi. Injecteur de colorant. On fait quoi là? On est censé l'agrandir. On est censé l'adoucir. Par contre, au niveau de l'anatomie et de la colorisation, on n'est pas trop sûr. Vas-y. Essaye. On va voir ce que ça donne. Alors, œuf de compagnon. Bon, il faut quand même attendre 24 heures, quoi qu'il arrive. On pourra, la prochaine fois, on verra à quoi il ressemble. On pourra voir l'horreur qu'on a fabriquée. Et on va rendre les missions sur la station. Après, on va aller sur dans la colonie. Terminer la construction. Et ensuite sur le cargo, finir l'expédition. Ça ira bien pour ce soir. Je sais déjà qui je verrai de ce soir. J'arrête alors. Eh ben non, justement. Justement pas. J'aurais dû faire ça la semaine dernière, mais... Finalement, on avait changé son programme, du coup j'ai pas pu, obligé d'attendre. Ça fait 15 jours que j'attends ça. Voilà. Du coup, j'ai plus rien à vendre là. Ok, alors, on rend les quêtes. Normalement, on en a deux à rendre. Finaliser les missions. Canner les créatures, module de frégate et les nanites. Ok, c'est pas incroyable. Non, ça, non.
C'est les pirates de faible niveau. Oh. En vrai. Cool. L'année des minéraux. Augmentation de stockage. Putain, mais elles sont bien tes quêtes. Il y a le dépôt. Bon, ça, c'est pas génial, mais je prends quand même. Fait toujours des nanites en plus. Et on fera ça la prochaine fois. Ici. Oh là là. Une fois, il faudra que je fasse un peu le ménage dans mes sacs aussi. Augmentation de stockage de mon vaisseau, faut que je le fasse. Quoi ça? C'est un classé. Ça m'intéresse pas. Alors, améliorer le vaisseau. Appliquer augmentation. Alors, Montoise. Donc, est-ce que c'était la dernière étape de la construction? Non, je pense qu'il reste une étape. On aurait dû y aller plus tôt pour lancer cette étape-là aussi. Et du coup, le bâtiment sera pas fini. Il faut quoi? 5 nanotubes de carbone, ok. Alors, voir la requête citoyenne. Citoyen propose un festival en reconnaissance de le superviseur. C'est comme dans Anneau. Ils ont passé leur temps à faire la fête pour, hein, parce que je gère trop bien. Y a pas besoin, hein, les gars, vous savez. Hein. Je fais ça que pour l'argent. Hein. Je fais pas ça pour la reconnaissance et la gloire. Hein. Bien qu'un tel événement pourrait être coûteux, les sondages indiquent que 90% des citoyens approuvent cette dépense. Ok, ok, bon, on soutient l'événement, voilà. On va être en dette pendant combien de temps? 20 minutes? 2 heures quand même? Oh! Bon. Bonheur 65%, ça commence à monter. Population 58, reste de la place par contre. Hein. Mais bon, allez, petit à petit. Allez, l'expédition, vas-y. Allez, déçois-moi encore une fois. À rapporter rien du tout. Perle d'albumen x2, super. Unité 37 000, unité 36 000. Perle d'albumen, unité cristal de sulfure. Et ça vaut pas le carburant que je vous file, hein, les gars. Vraiment.
Arc cristal restructuré. Ok, ça vaut un petit peu. Pas comme si j'en avais besoin, mais bon, au moins ça vaut des trucs, quoi. Ça vaut. Attends, je l'ai loupé le truc. Oui, je l'ai loupé parce qu'il n'est pas dans cet inventaire-là. Il est à côté. Ranger. Inventaire du vaisseau. Inventaire du cargo, c'est là qu'il va être. Voilà, c'est ça. Ouais, non, ça vaut. Ça vaut rien quand même. Ok, super. Non, les fleurs d'étude, il faut que je les garde pour pouvoir les planter. Pour pouvoir les planter dans ma base. Pour ça, il faudra que je refabrique un nouveau biodôme, parce qu'il n'y a plus la place. D'ailleurs, on va quitter dans la salle, dans ma base. Je vais aller cueillir les plantes. On va voir que ma base est toujours aussi moche. Si on avait besoin de cuivre, mais bon, je ramasse quand même. Le truc fonctionne pas pour rien. Alors, on récolte. Hop, hop, voilà. C'est pratique ça. Voilà. Et voilà. Il faudra que je range là. Faudra que je range ça dans les coffres. Je ferai ça jeudi avant de lancer le live. Ça ira bien. Voilà. Au moins on a un abri dans notre salle des coffres. Il fait beau, il fait chaud, il fait 31 degrés. Il faut juste. Garde, sinon je suis bon pour re-ramasser les plantes. Attends, celle-là aussi. Ouais, j'avais planté ici. Allez, chien, c'est bon pour ce soir. Allez, merci tout le monde. C'est bien sympa. Pas mal de monde qui a participé. C'était cool. Merci Trash Vortex, bien sûr, comme d'hab, hein, le taulier. Merci à toi. Bonne fin de soirée à toi également. Donc demain, c'est la suite, hein, Last of Us. Aux horaires habituels. Et No Man's Sky, c'est retour jeudi. Et sur ce, nous, on va les raids. On va les raids Caulifla, qui est sur Outer Wilds. J'ai dit que c'était le meilleur jeu de l'univers. Ouais, je crois. Hein. Mais bon, je le dirai jamais assez. Je suis curieux de voir où elle en est, comment elle se débrouille. Outer Wilds, c'est un jeu génial, mais bon, c'est compliqué d'y jouer tout le temps.
Du coup, après, une fois que t'as fini le jeu, bah t'es condamné à plutôt aller regarder les autres pour voir comment eux se débrouillent. Bah j'ai déjà joué là. Hein. J'ai déjà fini. Ouais, j'ai déjà fait le jeu de base. Là, j'ai acheté le DLC. Du coup, ça va me permettre, quand je m'y mettrai, de refaire le jeu de base. Mais le problème, c'est que le jeu de base, il n'a pas du tout la même saveur. Bon, c'est un peu particulier le jeu. Pas trop expliqué en détail. En gros, le jeu, là, tu vois, même si tu lances une nouvelle partie, tu vois, tu pourrais le finir très 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 vite à partir de maintenant. Parce qu'en gros, l'expérience, elle est dans ta tête et pas dans le jeu. Du coup, c'est un peu galère pour y rejouer alors que tu voudrais y rejouer. Mais le DLC permet d'y retourner et de découvrir quand même des trucs, donc c'est cool. C'est pour ça que je l'ai acheté. Du coup, bientôt je m'y remettrai. Allez, merci. Bonne soirée, à bientôt.